Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner, partager, Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse, que le Seigneur soit avec toi, la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans ta vie. Bon dimanche, Alléluia, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse. Que voilà, tu passes un bon week-end. Aujourd'hui, que tu te reposes bien. Tu viens de l'église. Oh, nous partons tous à l'église et que le Seigneur bénisse ta journée. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Je bénis le nom de notre Dieu. Il est le lys des vallées. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est le roc séculier. Il est notre appui, il est notre forteresse, il est notre salut, il est notre guide. Papa, je vais te dire merci. Je te présente ce moment, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité et pour ton amour. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ nous arrache du danger. Jésus-Christ est le Dieu merveilleux. Jésus-Christ est le Dieu suprême. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Jéhovah Jiré. Jéhovah Shammah, Jésus-Christ notre gloire, Jésus-Christ notre protecteur, Jésus-Christ notre appui, il est dans tout ce que tu entreprends et tu entreprendras. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un verset, le psaume 91. Nous allons prendre le verset 1 parce que j'aime beaucoup ce verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux, comme je viens de le dire. Alléluia, il est vivant. Voilà, je veux dire quelque chose à Monsieur Thiam, voilà, à Monsieur Tidiane Thiam, le président du PDCIRDA. Voilà, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous, notre boulot, c'est travailler pour le pays, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais la dernière fois, je vous avais fait une vidéo, là, je vous avais donné une vidéo, les précédents numéros, là. J'ai dit que j'ai vu le président Oufo-Boigny à la fondation de Yamoussoukro, il était avec Tidiane Thiam. Je vous avais dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Voilà, ce jour-là, vous aviez regardé sur les présidents numéros là. J'ai vu Monsieur Thiam avec le président Oufo-Boigny. Le président Oufo-Boigny lui parlait de la Côte d'Ivoire. C'est dit que il est assis où il est. Il a un rouleau compresseur dans sa tête. Il va dévoiler son plan de travail. Mais je vous avais dit qu'il était avec le président Oufo-Boigny. Donc vous convenez avec moi que le travail qu'il va faire, il va venir. C'est pas pour rompre avec les Blancs. Je vous avais dit ça. Il va pas rompre avec la France. Il va pas rompre avec la France. Il va travailler avec la France et il va améliorer les contrats. Ça veut dire que si les gens prenaient, si c'était à 100 francs, que les gens donnaient 5 francs à la Côte d'Ivoire, lui, il va améliorer, voilà, il va faire kiff-kiff 50% de part et d'autre. Les autres ont 50, nous, on a 50. Il va refaire tout ça. Amen. Il va pas chasser les Blancs. Il va pas le faire parce que à chaque fois que je fais des songes, je le vois avec le président Oufo-Boigny. Ben, il y a un lien très fort entre lui et le président Oufo-Boigny. Alors que c'est Tidiane qui est, je crois, le dernier de sa famille ou sa petite sœur Yamso, je sais pas qui est le dernier de leur famille. Mais lui, il a eu l'onction.
du président Oufo-Boigny. Et il va travailler avec les Blancs, je vous avais dit ça. Et depuis longtemps, à chaque fois que le Seigneur me montre, il dit que regarde, il va travailler avec les Blancs, mais il va pas chasser les Blancs. Il veut pas chasser les Blancs. Vous voyez, nous avons des enfants en France, en Europe, tout et tout. Quand les Marie Le Pen a dit qu'elle voulait plus voir les Noirs, j'ai reçu beaucoup de notifications. Oh, maman, il faut prier, les gens veulent nous chasser, les gens veulent faire ça. Mais si vos parents sont là, sur place là, ils ne veulent pas voir les Blancs, ils veulent les chasser. Mais vous serez chassé de la France. Vous voyez? Donc, prions pour que M. Thiam vienne et qu'il améliore les contrats et les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Alléluia. Nous prions que Dieu fasse un choix, hein? Voilà. Parce que si je dis, bon, prions pour que M. Thiam vienne au pouvoir, bon, c'est normal, c'est légal, personne ne peut aller contre la prière de l'autre. Mais je vais dire que Dieu fasse un bon choix pour la Côte d'Ivoire et un bon choix, le bon choix, Dieu le sait. Celui qui est aujourd'hui, si tu veux travailler, si tu n'as pas de contact, ton carnet de, comment on appelle là, de mission là, n'est pas bien rempli, tu ne connais personne, je sais pas avec qui tu vas travailler. Oh, il est déjà là. Il est déjà là. Que le Seigneur fasse voilà, que le Seigneur fasse le choix. Amen. Qu'il fasse le choix et que le travail en Côte d'Ivoire avance. Amen. Que nos parents qui sont dehors sous le pont, là, rentrent dans les maisons. Voilà. Bon, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans nos vies, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur, l'Éternel Dieu, balaie au-devant de nous et que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Au revoir, c'est votre servante Moyer.